Lecture. 2384 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en Bretagne en l'espace de 48 heures, affirme l'ARS, ce vendredi soir. On ne compte plus de décès supplémentaires depuis 10 jours dans la région. Combien de nouveaux cas? Par rapport à mercredi, la Bretagne enregistre 384 cas supplémentaires de Covid-19 pour un total de 6774, selon le communiqué de l'Agence régionale de santé transmis ce vendredi soir. Plus de la moitié de ces nouveaux cas ont été détectés en Ille-et-Vilaine plus 209 pour un total de 2304. Suivent le Morbihan plus 61, 1247, le Finistère plus 53, 1364, et les Côtes d'Armor plus 23, 998. S'y ajoutent 29 tests positifs de plus pour des personnes ne résidant pas en Bretagne et 9 pour des personnes dont les départements de résidence ne sont pas encore connus. En une semaine, 4 EHPAD supplémentaires ont déclaré au moins un cas testé PCR confirmé positif, pour un total de 102. Combien de nouveaux décès ? Il n'y a pas eu de nouveaux décès dans le cadre des prises en charge hospitalières depuis le 24 août dernier en Bretagne. Le total reste à 269 dans la région. Autre bonne nouvelle, aucun résident d'EHPAD n'a perdu la vie depuis la mi-août dans sa résidence. 66 décès en tout. Quel est le taux d'incidence dans chaque département ? Le taux d'incidence s'élève à 25,5 cas pour 100 000 habitants au niveau régional. Il est beaucoup plus élevé en Ille-et-Vilaine, 40,9, qu'en Morbihan, 24,4, Côte d'Armor, 15,8, et Finistère, 14,3. Pour rappel, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de Covid-19 diagnostiqués par un test PCR survenu sur les 7 derniers jours, rapporté au nombre d'habitants du département. Combien d'hospitalisations ? On compte une hospitalisation de plus en service de réanimation, soit 6 en tout, par rapport à mercredi. En revanche, le nombre d'hospitalisations conventionnelles baisse nettement, 7 pour un total de 55. Combien de clusters ? 13 clusters sont en cours d'investigation par l'ARS Bretagne, soit un de moins par rapport à mercredi, 6, en Ille-et-Vilaine, 1 en milieu professionnel, 5 en milieu familial ou communautaire, 3 dans le Finistère, 1 en milieu professionnel, 2 en milieu familial ou communautaire, 2 dans le Morbihan, 2 en milieu familial ou communautaire, et 2 dans les Côtes d'Armor, 1 en milieu familial ou communautaire, 1 en EHPAD. Let's block ADS. Why?